je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Je suis capable de m'asseoir tout seul. Oui. Tout est bon. Qu'est-ce que je vais prendre? La porte. Écoute, je fais pas pousser un scène, c'est là. Tu penses-tu qu'il y a des cadavres coulés dans le béton? Non, il les garde dans le congélateur. Oui, c'est sûr. Pourquoi là, j'ai deux fourchettes et trois cuillères? Pour ton entrée, ta salade, ta soupe. Mais c'est qui, ça? Le ministre Poitras. Ah ben... Hey, t'es plugué, toi? Pas de plug, là, c'est le ministre Poitras, le ministre Poitras. Ah ouais, pis Di Filippo, tu l'as jamais vu non plus, hein? Bon, qu'est-ce que tu vas manger, toi? Spaghetti meatball italien. C'est bon, ça. On va prendre la bavette, moi. Protège ton territoire, Corollis. Protège. Tu fais là, ça, hein? Protège ton territoire! C'est toi que c'est un Italien. C'est toi que c'est un Italien, Chris. Ah oui! C'est toi que c'est un Italien. C'est toi que c'est un. Hein? Ah. OK. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme, 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 calme. Chut. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Oh! Don Andon, ce n'è per più di un milione. Il camion parte da qui e qui incontrerà Pietro con la sua squadra e dove... Vita, i dettagli a me non mi interessano. Il risultato che conta, capito? Capito. Jetez vos armes! Jetez vos gants! Jetez ton gant! J'ai dit jetez vos armes! OK, OK, OK! Ah ouais, jette ton gant par la fenêtre! Ah ouais, jette-le! Sors du truc! Ah ouais, les mains là! Ouais, ouais, ouais! Speech. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de camion. Voie de fait grave. Meurtre. Et vol de marchandises. Vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Avez-vous compris, ma gang de tabarnak? Embarque-moi ça. Man,
Écoute, Lily. T'es-tu arrangé avec ta secrétaire pour qu'elle fasse bipper ton affaire au bon moment? Lily. Ça fait une semaine que je suis sortie, là. Je sens que ça commence à être long comme préliminaire. C'est pas le temps, Lily. Bon. Après leurs épreuves, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Grappa à votre santé? Non. Bon, on peut pas accepter, mais c'est bon. On est pressé, on va prendre la décision, s'il vous plaît. Compliment de la maison, M. Cloutier. Non, je peux pas accepter ça. M. DeFilippo insiste. Non, écoutez, je pourrais pas remettre les pieds ici si vous m'empêchez de payer. Ce serait un affront de ne pas accepter, M. Cloutier. À la santé. Oh boy. Ouais, t'as pas de blog, toi. Tu me prends pas. Hein? Quand tu portes ta tondeuse, tond-les, mon gazon! Calice! Détournement de camion, il y a un mort. Qu'est-ce que tu as fait manger, petite? De la vache enragée? Non, ça, vous en êtes occupé, sa mère, puis toi. T'es pas obligé de la sortir si tu l'aimes pas. Non, regarde, c'est compliqué, OK? Oui. T'es libre, puis elle avec ça, c'est compliqué. Regarde, c'est juste que... Moi, je te dirais, c'est vrai. Lily est... Ouais. Elle est trop sale pour toi, ma fille. Ah, c'est pas ça. La police avec va la faire payer pour son passé. J'ai rien dit, moi, là. Je te dis juste que c'est compliqué. Oh, Chris! Voilà. Voilà, il est mort, Rusty. Les Italiens l'ont pogné. Se situerait dans les 7 chiffres. Le chauffeur, Roland Pichet, d'une famille bien connue du monde interlope, était décédé lors de l'arrivée des secours. L'escouade spéciale de la police nationale attribue le coup à la guerre des clans. Le trio était surveillé depuis un certain temps. Il s'agit de Aldo Ricci et de Paolo et Pietro Di Filippo, neveux de Tony Di Filippo. C'était Mac Cloutier en direct, CJKM partout, toujours. Sgraviati! Schifezza! J'aurais quelqu'un pour me remplacer. Il s'appelle Dylan. Comment l'a rencontré l'autre jour chez Jeanne? T'en as pas parlé? Ah, le noir, l'anglais? Il est pas anglais, il est américain. Puis il a besoin de travailler. Il est bilingue. L'affaire, c'est qu'il faudrait que tu le perdes en dessous de la table. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il est ici illégalement. Il est draft dodgeux. Déserteur. Il dit que les Américains ont pas d'affaires au Vietnam, puis il a bien raison. Comment là, passe pour une bonne cause. Une bonne cause ou pas, c'est non. Rencontre-le au moins. Tu sais, il est comme toi, il est pour la paix lui aussi. Hein? Quand tu vas être propriétaire, t'engageras qui tu veux. En attendant, c'est moi qui décide. Tu penses qu'il m'intéresse ton magasin? J'ai pas le goût de finir borné, moi. Puis raciste. Je suis rendu raciste, ça.
Faut que je m'en aille. Mais non, mais non. Tu vas rester ici. J'ai besoin de toi. T'es mon helper, OK? Oh, mais Chris, j'ai peur. T'es capable. Ah ouais, ouais. Okay. Allô, Hugo? Salut. Hey. Qu'est-ce qui se passe en haut? Oh, j'ai fait arranger une grande chambre pour les filles. Ça coûte combien? C'est rendu un bordel. Hey, les filles ont besoin d'un break. Y'a personne en haut qui va venir les écœurer. C'est un no man's land, c'est clair? Je sais pas, là. Je veux savoir, là. Hey, mec. Y'a quelqu'un qui voudrait te parler discrètement. Ça fait que si tu vas aux toilettes, il va aller te rejoindre. Mais c'est qui? Hey, c'est pas un piège, c'est un scoop. Ouais, mais si je sais pas c'est qui, je rentre pas là-dedans. Là. Léo. T'es rendu porte-parole pour les pichés, toi? Non. Entremetteuse. Pour l'Insco. Vas-y. Gaspésienne qui vient d'arriver. Hein? Tu croiras pas ça. Tu connais ça, des balles de ping-pong? Ben, elle est chaude au plafond. Hein? Hey, moi non plus, je croyais pas. Hein? Puis quand j'ai vu ça, là, j'en faisais pas. Ouais, mais là, tu vas pas te mettre à limiter, hein, les nerfs. Et sympathie pour ton frère? Il est trop du Filippo, ça dit quelque chose, hein? Ouais, c'est un des trois gars qui vient d'être arrêté. Ouais. Paraît qu'il va se mettre à jaser, Beto. Pourquoi il ferait ça? Rivalité dans la famille. Comment ça, tu sais ça, toi? Je le sais, mais sans ta pipe, ça va brosser un asti, les Italiens. Si t'essaies de te servir de moi pour passer une fausse rumeur, là. Crée-moi pas. La nouvelle, elle va sortir ailleurs. J'ai des photos rushes à développer. T'as l'intention de passer à la frontière comment? Il n'y a plus rien pour moi ici. Il y a moi. OK? Puis je veux pas te perdre. Tu vas me perdre. Je m'en vais en prison. Peut-être 25 ans. Number one dans business. On baisse jamais les bras. Tout est contre moi. Mes empreintes, mon sang, mon engueulade avec Wilson avant qu'il meure, les témoins, la clé du locker de la dope avec mon nom trouvé dans les poches à Wilson, gars. T'as le meilleur avocat en ville. La police veut pas cracher le rapport d'autopsie. D'après Moody, y a rien qui les oblige. Ouais, ben ça, il fallait que tu me le dises, Chris. OK. On m'en occuper. Ta sœur a rien. Je suis coupable. Mais ma chouette, t'étais ici quand Wilson est mort. J'étais avec toi. Je suis coupable de tout faire, tout croche tout le temps. Si je pars, je suis coupable de voler l'argent de la caution à toi et Adèle. Bon, ben ça, là, c'est pas important. 20 000 piastres, pas rien? Tu m'en parles pas parce que tu sais que c'est pas cool, mais moi, je le sais que j'ai une astuce de dette envers vous deux. Dupuis. Mm-hmm. Hey, vous enverrez un taxi chercher les photos chez nous. Dans une heure. Hey, tu vas pas jouer à la police à cette heure. Hey! Je suis ton père, mon Chris.
Excuse-nous de t'avoir fait attendre, on est comme débordé, là. Bravo, c'est un beau coup de filet, ça. Qu'est-ce que tu me veux? Il y a des rumeurs qu'un des trois Italiens serait délateur. Je veux savoir si c'est vrai. Des rumeurs? Ben, je vous le demande parce que si je sors la nouvelle, ça risque de faire du bruit. Demande à tes chums du milieu. Ils vont te le dire, eux autres. Les mieux placés pour le savoir, c'est bien eux autres. Une hypothèse intéressante. Lebel, il n'y en a pas d'hypothèse. Après, venez pas me dire que j'ai nui à l'enquête. On n'a pas de problème avec notre enquête, nous autres. Surtout quand on se fait pas déranger à toi et deux minutes. Merci beaucoup. Puis bonne chance la prochaine fois que vous me demandez un service. Mac, t'as des bonnes sources. L'arrestation de Aldo Ricci et de Paolo et Pietro Di Filippo pourrait avoir des répercussions inattendues et nourrir la commission d'enquête sur le crime organisé. En effet, CJKM a eu vent que l'un des prévenus pourrait collaborer avec la police et lever le voile sur l'organisation pour laquelle il travaillait. Les autorités policières n'ont pas démenti la rumeur. Loin de là. C'était Mac Loutier, CJKM. Partout, toujours. Questo figlio di puttana. Hey, Vito, vieni qua! Lebel. Qu'est-ce qu'il fait? À Roland. Jeanne, tu me rappelles? Jeanne! Oh, Flo! Tu Jésus du bon Dieu! Colette! Maman? J'aurais tout vu. Madame, I'm really sorry. Maman. Oh, ça, Colette. Va t'habiller, là. Prends pas ça de même. Va t'habiller, Colette. Ah, oh boy. Monsieur Cloutier. Monsieur Cloutier. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur De Filippo veut vous parler. Oui, j'ai mon char, ça va être correct. Monsieur Cloutier. Par ici. Il y a des détails que tu ignores sur les mœurs italiennes. Comme quoi? Les chances de bons procédés. Si vous me demandez de manquer à mon devoir de journaliste... Ton scoop sur les membres de ma famille. Bon, ben, j'étais le premier, mais je serai pas seul, M. Di Filippo. J'aurais apprécié être averti. Ça aurait été la politesse élémentaire après notre petit marché. Quel petit marché? La petite signore et sa bambina. Et ses dettes avec Rodolfo. Ouais, mais c'était pas une faveur personnelle. Je vous ai averti avant que la police s'en mêle. Je pensais que vous vouliez me remercier en me payant le lunch. La rumeur que t'as rapportée. Qui t'a mis au courant? Monsieur Di Filippo, je suis un journaliste. Je peux pas dévoiler mes sources. Pas plus que vous, vous pouvez dévoiler vos recettes. Va falloir que tu choisisses ton camp, Mac. Je connais mon camp, je suis neutre. C'est pour ça que si jamais vous venez me voir avec une information sur un député ou n'importe qui, il n'y a personne qui va savoir que ça vient de vous. Tes principes sont clairs. Tout à poste. State bon, voyez. Merci. Buongiorno. Irma. Regarde. Je te
te vois aller avec tes petites filles, là. Puis j'aurais peut-être besoin de tes services pour la mienne. Lily, elle aurait besoin de se faire percer par une mère. Mais pourquoi? Sa mère est manchotte? Si Adèle, elle lève le petit doigt ou dit quoi que ce soit, là, Lily, elle décollisse. Et ta fille a trop de temps pour penser qu'il faudrait l'occuper. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais sa mère? Moi, je dirais qu'il faut qu'elle se fie sur personne puis qu'elle écoute sa tête de cochon. Je dirais qu'il faut qu'elle se révolte puis qu'elle cause tout. OK, laisse faire. Oublie ça, je t'ai rien demandé. C'est une joke, Hector. Amène-moi là ta fille. M'embrasse un petit peu. Elle en vaut la peine. Quand même, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Max, c'est encore un Italien, mais c'est pas la même voix que l'autre fois. Prends dans le bureau. OK. Cloutier, Mac. Allô? C'est qui, ça? Carogna. Carogna. J'aurais dû m'en douter aussi que c'était pas juste pour s'occuper du petit qui était toujours chez Jeanne. Mais ce gars-là, là, pourquoi il vit chez Jeanne si c'est pas son amoureux? Je sais pas, Lucien. Ça me dépasse. Si ça se trouve, là, c'est leur nouvelle façon de vivre, les jeunes, en groupe. Ouais, c'est bien connu que dans un groupe, un criminel se cache plus facilement. Franchement, pas un criminel. C'est juste un déserteur. Déserter, c'est un crime. T'es trop sévère, Lucien Cloutier. C'était pareil avec son barbeau, là. Colette, elle n'ose pas amener ses amis à la maison parce que t'es trop rigide. Des amis? Tu prends-tu ta douche avec tes amis, toi? Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Invite-la à souper. L'invité? Lui? Hein? Ben, là, je pense qu'il est végétarien. T'es pas un petit peu rigide, là? Hey, si c'est lui, là, moi, je m'en vais dans ma chambre. Hey, Florent, donc, comment? Non, je suis pas prête, Lucien. Je te dis, je suis pas prête. Viens, va voir. C'est Jeanne. Oh! Allô? Je viens de voir Colette. On peut-tu parler? Oui. Ben oui. Oh, Lucien, je viendrais te chercher le petit, s'est endormi dans le carrosse. Oui, oui, oui.
Allô? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas grave? Monsieur Campo a insisté pour t'attendre. Et toi, c'est Rudolfo Campo? Hey, Mac, je savais pas que t'avais un bambino. Regarde, la prochaine fois que tu veux me voir, tu viens au bureau, OK? Je voulais juste rencontrer ta famille. Belle famille. Merci pour l'autre vaisselle. Madame, messieurs, à la prochaine. As-tu vu comment regardait le petit? Je vous en prie que ça, c'est rien. Oh, toi, tu dis que c'est rien? Non, non, non. C'est important pour nous autres ce qui vient de se passer. OK? Alors, moi, je veux savoir, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il s'est rien passé. Faut appeler la police, Mac. Elle a raison. Ben ouais, pour leur dire quoi? Qu'un Italien qui est venu, bien pas ton café? Non! Qu'on est même pas en sécurité dans notre propre maison! Hey, écoute-moi bien, mon gars, là. OK? Si tu te mets dans la merde à cause de ton travail, OK? J'aime pas ça. Mais ça, ça te regarde. Mais quand ça touche mon petit-fils, OK, ta femme, puis ta femme, ta mère, là, ça me regarde, ouais. Puis ça marche plus, pas en tout, pour la fin. Fait que cette nuit, tu vas aller les voir, ces gars-là. T'as déjà négocié pour le chat, t'as déjà négocié pour des trucs de cul, mais là, tu vas négocier pour ta famille, OK? Mais t'as besoin d'être bon, mon petit-fils. C'est clair, ça? Ouais. On n'a pas besoin de toi, là, Chris. Moi, ça me dérange pas si tu parles pas. Tes chums m'ont déjà tout dit. J'ai tout ce qu'il me faut. Dans tes offres de ton mononcle. Pablo Antonio. Veux-tu que je te lise leur déclaration? C'est bien ce que je pensais. Seulement, en échange, eux autres, ils vont bénéficier de la clémence de la cour. Tandis que toi, ça regarde pas trop bien. Il paraît que c'est toi qui as tiré sur Roland Pichet. Si c'est pas vrai, tu peux me raconter ta version de l'histoire. On va te faire un deal, toi aussi. Il y a trop de Filippo. T'es marié, toi, hein? Peut-être que Adeline, elle va être plus jasante. Chiquini, on finit ça? Puis? Puis à ton bal. Hein? Hey, Cloutier demande la protection pour ses broches. Ouais, puis? Ben, ça veut dire que ça brosse pas mal chez les Italiens. Hein? T'as trouvé ça tout seul? Pas toi qui as collé les ailes après une mouche? C'est pas un drôle, ça? Calice. Tu trouvais drôle, moi? Écoute, je vais pas le dire devant tes parents, là, mais... Des journées comme aujourd'hui, j'ai juste le goût de crisser mon camp à l'autre bout du monde avec le petit. On va arranger ça. Ça arrivera plus, je te le promets. C'est de ma faute.
J'ai rapporté une rumeur, puis je pensais jamais que ça allait se retourner contre vous autres. Garde, tu fais ce que tu veux, là. Si tu veux risquer ta vie pour une crise de scoop, c'est ton problème. Mais moi, je veux plus jamais te mêler à ça, OK? Et qu'est-ce qui se passe avec Dylan puis ma sœur? Ils sont en amour. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je suis bien contente pour eux, Mac. Je pensais que... Que Dylan puis toi... Mais non, tu te trompais. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Quoi, ça t'aurait-tu fait quelque chose? Écoute, faut que j'y aille. Je te donne des nouvelles, OK? C'est quoi? On n'a plus le droit de fêter? Attends, Irma, on va t'expliquer, moi. C'est le gros crise de poulet! Wouhou! Wouhou! Wow, là, wow! C'est wow! Wow, tu comprends rien! Tu comprends rien! T'as raison, je comprends rien. C'est ça. On va t'expliquer, moi. On va aller parler en haut, là. Viens-t'en. Wouhou! Poulet! Hey, tu sais quoi, Irma? J'ai rencontré un gars. Puis lui, il a voulu de moi. Lui, il a voulu de moi. Il était game! Il m'a dit que je pouvais embarquer avec lui. Faut partir avec lui. C'est beau, Marie. C'est beau. Je suis tellement tannée. Je suis tellement tannée d'être moi. Viens, on va aller se laver. Pourquoi t'es pour ma mère? De bien du monde. Ça fait longtemps que vous êtes en restauration? J'ai passé ma vie dans la restauration. Je sais faire que ça. Je touche pas à autre chose. Alors, Mac, raconte. Ben écoutez, M. DeFilippo, je peux vivre avec les téléphones anonymes puis les menaces personnelles. Mais quand on vient intimider mes parents puis menacer ma famille, ça, je le prends pas. Qui a intimidé tes parents? Rodolfo Campo. Alors, c'est Rodolfo ton problème. Ces ordres doivent venir de quelque part. Les ordres ne viennent pas d'ici, Mac. Il y a quelque chose qui me dit que ça a rapport avec la nouvelle que j'ai sortie. Niente. Je te donne ma parole. Donc, c'est par hasard qu'il a décidé de se venger pour l'affaire de Sonia Lupien. Peut-être qu'il attendait le bon moment. Bon, il attendait surtout que vous n'ayez pas le goût de me protéger. Parle avec Rodolfo. Réglez ça une fois pour toutes, entre vous. Merci. Salut. Et adesso mangiamo. Buon appétit.
Ciao. T'as besoin de combien? Comment combien? Ben, pour partir, c'est pas ça que tu veux. Tu veux m'aider à me pousser? Ben, j'ai une cousine au BC. Elle va souvent aux États, elle pourrait t'aider à traverser. Elle connaît tous les douaniers. J'en ai passé des filles, là, moi. Moi, je parle pas anglais, moi. Ça s'apprend, Lily. T'es-tu sérieuse, là? Ben, tu peux bien rester là, si tu veux. Prends des cours du soir, finis ton secondaire. Je peux te fournir des papiers. C'est quoi après? Bungalow, tapisserie en fleurs, tapis mur à mur? Aller à l'école, c'est pas devenir la copie de ta mère. Pourquoi tu ferais ça pour moi? Parce que je sais que t'es pas coupable. Puis je te trosse pas en justice. Parce que je suis tannée de te voir te maganer. Parce que je trouve que t'as quelque chose entre les deux oreilles. Parce que la dernière fois que j'aurais dû faire quelque chose pour quelqu'un, j'étais arrivée trop tard. Je vais t'expliquer face à face. Pendant pas de temps. Je t'en onde dans 45 minutes. Sauf que ce sera pas toi derrière le micro, Mac. On va aller faire un petit tour de char. Je pensais qu'on allait discuter calmement. Fallait pas te fourrer dans le business. C'est quoi ton problème? Soigne les pieds? T'aurais mieux qu'elle appelle la police? Tu sais, Mac, pas juste moi que tu gères pas ton style, hein? Ton entourage aussi peut être pas mal sans cœur. T'es en retard, c'est nouvelle. J'ai réglé mes affaires avec Tiflipo. On s'en va faire un petit tour. Regarde! Avant, je vais faire un téléphone. Puis si c'est vrai ce que tu me dis, tu feras ce que t'as à faire. Filippo, s'il vous plaît. Mac Cloutier, c'est urgent. Monsieur Filippo, oui, j'ai un ami à vous ici, là, Rudolfo Campo. Il y a un gun pointé sur moi. Il paraît qu'il vous fait une faveur. Oui. Parfait. Don Antoine, vous expliquez. Si. Si. Faire ton bulletin de nouvelles. Mettons toi une à ton Antoine. Je veux plus te voir la face, tu m'entends? Je veux plus te voir autour de ma famille ni de mon entourage. Es-tu clair, ça? J'ai rien entendu! Je te rien sur des hommes d'honneur. Avec la force rumeur que t'as parti, là, il y a trois hommes de la famille qui sont pas mieux que moi. C'est toi qui les as tués. Qu'est-ce qu'il pouvait pas entendre demain? Paraît que vous avez égaré le rapport d'autopsie de Wayne Wilson. Adresse-toi aux homicides. J'ai rien à voir avec ça. Arrange ça comme tu veux, mais c'est dans ta gang, puis je sais que tu peux faire de quoi. Puis t'as intérêt à te faire avec moi. Sly. De quoi tu parles? Moi, si je peux égarer de quoi à ton sujet. On va voir ce que je peux faire. Mais je te promets rien. Dans mon livre à moi, je sais que tu vas réussir. Dupuis. C'est-tu un scoop? Joe Brett. Merci. Tu peux me dire ça, toi?
À ton avis, c'était quoi le rapport entre Léo Pichet et Wilson? Qui c'est qui me demande ça, le journaliste ou l'amoureux de Lily? Pas l'amour avec les gars. Ben non. Violette et un jean. Non, parce que toi, toi. Tu croirais pas ça. La jeune du Filippo, là, Pietro. Il était retrouvé pendu dans sa cellule avec sa ceinture. Attends, il avait pas enlevé sa ceinture? C'est pas une erreur. C'était un meurtre, Carlis. Y avait-tu parlé? Même pas. Ou bien il avait peur de le faire, ou bien il pensait que ses chums avaient parlé.